Bonjour à tous, on va reprendre les vidéos de l'année 2021. On est en plein hivernage encore, on n'est que début février. Et je viens jeter un petit coup d'œil aux abeilles. Donc je leur ai toutes mis, enfin pas toutes, mais pour beaucoup, je leur ai mis un pain de candy. Voilà, parce que c'est le redémarrage de la ponte. Ici dans le sud, en février, ça repart plein pot. On a les premières entrées de pollen. Et voilà, je viens voir donc le candy, comment il a été consommé. Ça fait 3 semaines que je l'ai mis. Donc, voilà, ici, ça fait donc 3 semaines que je l'ai mis. C'est un pain de candy d'un kilo, donc c'est un petit pain. Et on voit qu'il a été consommé tout juste à la moitié. Et quand je soulève la ruche, on se rend compte que c'est encore assez lourd. Donc je ne vais pas en rajouter sur celle-ci. On va aller en voir une autre, mais celle-là, ça va, elle peut faire encore. On va regarder ce qui reste comme candy. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Elles nous ont tout mangé, elles ont mangé les deux pains. Là, il commence à pleuvoir, je vais me dépêcher. Donc ici, je vais leur en remettre un pain. On va regarder une autre vite fait. Parce qu'il commence à pleuvoir. Donc elle, il leur en reste encore un entier. Je vais juste leur enlever celui-là. Hop. Il leur en reste un entier, ça sert à rien que j'en mette un de plus. Et c'est là qu'on voit quand même que les. On peut voir, je vais regarder. Regardez la taille de la grappe. On voit que les abeilles ont bien bien grandi. Alors, allez, je ne vais pas les embêter plus. Hop, et voilà. Allez, changement de rucher. Je fais juste un petit tour, c'est pareil, je vais vérifier les réserves. Tiens, ça, on dirait que j'avais mis ça. Bon, après il pleut un petit peu, il y a quelques abeilles qui volent, mais il fait quand même pas très chaud, il pleut. Donc pour estimer les réserves, deux solutions. Déjà la première, ça c'est super lourd, on soupèse un petit peu. Puis après moi comme j'hiverne avec un plastique, je vérifie à travers le plastique comment est la grappe. Hop, le lève-cadre. Donc c'est lourd, je vois que je leur avais mis un pain de candy. On va leur remettre un autre. Juste, je vais vous montrer la grappe, les abeilles. Voilà. Les abeilles sont là. Je vais en mettre un deuxième ici, là, un candy. Je vais pas sortir le premier paquet parce qu'il fait froid. J'ai pas envie d'aller les embêter. Elles y sont dedans encore. Je vais juste en mettre un glisser un deuxième et puis voilà, ça ira pour cette fois-ci. C'est tout simple, j'ouvre. Hop, et je referme, et voilà. Voilà la technique. Hop, et c'est fini. Ça dure vraiment une demi-seconde, on va dire. Hein. Allez, on va faire les autres vite fait. C'est lourd ça aussi. Ouais, ils sont dedans, il en reste un petit peu là. Là, il reste un petit peu de candy. Alors, on peut voir effectivement qu'il y a un peu d'humidité. Alors, est-ce que c'est gênant ou pas?
Moi, j'ai jamais eu de soucis avec ça. On va juste en regarder une petite dernière. Regardez celle-là qui a déjà commencé à construire un peu partout. Mais ça va vite, quoi. Hein. Vous voyez, là, elles ont commencé à construire dans le candy. Là, je vais pas les renourrir, celles-là, parce qu'elles sont super lourdes. J'ai pas envie de les booster pour rien. J'avais mis un pain de candy pour passer la période froide. Je l'avais mis juste au-dessus de la grappe. Je savais pas trop comment on était au niveau réserve, mais là, j'ai l'impression qu'on est bien, bien lourd. Donc, ça sert à rien d'en rajouter un. On verra ça dans 15 jours. Allez, fini pour aujourd'hui.